Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler fibre optique. En France, depuis déjà quelques années, la fibre est déployée par l'opérateur historique Orange dans nos villes et villages. Vous voulez savoir si vous pourriez disposer d'un accès Internet via la fibre chez vous? Donc ici, je vais lancer Internet Explorer, hein, mais vous pourrez peut-être utiliser Microsoft Edge ou Firefox. Donc là, ici, on va faire un double clic et on va arriver sur Internet. Donc ici c'est Google, mais si vous voulez utiliser un autre moteur de recherche, Bing, Quant ou tout autre moteur de recherche, c'est possible. Donc ici, dans la zone de recherche, je vais taper déploiement fibre optique Orange. Donc là, je vais venir sur carte de couverture fibre en France. Je vais faire un clic gauche dessus. Donc ici, on va avoir une carte qui apparaît. Donc la carte de la France. Si vous habitez dans les DOM-TOM, vous allez appuyer sur la petite flèche à côté de Métropole et vous viendrez choisir votre île. Alors ici, hein, Métropole. Je vais faire un test par exemple sur la place de la Libération à Lorient. Libération, j'ai fait une petite erreur. À Lorient. Donc je clique dessus. Donc là, la carte est en orange. Hein, ça veut dire que la fibre est déjà présente dans la ville. Maintenant, hein, je veux voir si vraiment sur la place de la Libération à Lorient, on va appuyer sur le petit plus. Hop, et là, on voit certaines choses. Alors, donc, en violet, hein, ça veut dire que la fibre est dans la ville. En bleu, hein, c'est que la fibre est dans le quartier. Et en orange, hein, c'est que votre logement est éligible à la fibre. Alors, Orange n'est pas le seul opérateur à proposer la fibre, mais comme c'est celui qui procède au raccordement des différents logements, la fibre généralement est en exclusivité chez cet opérateur sur les 6 premiers mois de mise en service. Après, vous pouvez changer d'opérateur ou attendre que les 6 mois se sont écoulés. Alors, la fibre va vous permettre de surfer plus rapidement et notamment regarder des films en streaming, mais aussi de télécharger beaucoup plus rapidement des films ou des logiciels. Si vous regardez la télé via Internet, la qualité d'image devrait être améliorée. Merci d'avoir regardé cette très courte vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu. Allez, ciao ciao!